peu trop de bruit par ici. Ah, oh, punaise, ça me... Ça m'embête, hein, vraiment, pour gros. Bon, c'était évident, mais ça m'embête. J'aimais vraiment bien le personnage. En plus, c'était la voix de John 117. C'est pas rien. Oh, merde. Ah bah oui. C'est bloqué. Et là, comme par hasard... Je suis coincé ici, Lawan. J'ai besoin d'aide. Je vais chercher Franck. Brûle-toi. Mais Franck, il va mourir aussi. Si tu vas le chercher, tu te rends bien compte de ça. Ah oui, donc en plus, faut qu'elle aille le chercher au bazar et qu'ils arrivent jusque là. Ah bah tiens, bah oui, bah allons-y. Alors attendez, j'aimerais économiser autant que je peux ma scie. Lawan, est-ce que t'as eu Franck? Ouais, demain. Aïe. Lawan, me laisse pas ici. Super pouvoir, soy. Ninja. J'ai maîtrisé l'ultra instinct. Vous ne pouvez plus rien contre moi. Par le pouvoir du virus, je détiens la force toute puissante. Assoy. Bon, c'est arrivé un peu vite par contre. J'aurais aimé tuer les zombies un peu plus avant. Allez, venez. Venez. Ah, manger des épinards, qui disait. Ah, t'écouterais plus jamais Popeye. Aiden, j'ai trouvé Franck. Enfin, ce qu'il en reste. Aiden, t'es où? Au 30e étage, les infectés, ils ont explosé. Oh, le loot, la richesse, les trophées. Oui. Oh, tout ce loot, c'est mon dieu! Tous mes traceurs. La richesse! Question, ça recommence. Il est pas encore mort. Il est là-bas et il a besoin. À moi! Il a surtout besoin d'un cercueil. Franck, espèce de vieille garde pourrie d'alcoolique, pourquoi tu bouges pas la couette pour une fois? Aiden, il devrait encore y avoir une partie de notre équipement. Dans la cage d'ascenseur, un ou deux étages au-dessus de toi. Ah bah on va aller voir ça. Et par là, je peux toujours pas... Non, je peux toujours pas. Ok. Oh là là là, tout ce loot. Dans la cage d'ascenseur au-dessus de moi. Là. Oui, oh, il veut que j'utilise mon médicament. Ça va pas bien? Mais non, ça va bien. Dans la cage d'ascenseur. Ah, ok. Yep. Là ou là? Là, on peut pas. Alors. Bon, en mémoire de Ro. Est-ce que je tente un truc? Oh, est-ce que je tente un saut de l'infini? Infini! Ah bah non, pas infini. Je pensais pas que tu descendrais. Je pensais que tu allais courir sur le mur, mais pas descendre. Oh. C'est quoi ça? C'est ça l'équipement? Oh, le grappin! Oui! Prends le grappin! Franck, je l'ai trouvé. Qu'est-ce que c'est? Un grappin. Un lanceur de cordes. Un quoi? À nous les endroits inaccessibles jusqu'à présent! Un truc auquel l'attacher et tire. Essaie d'accéder à la terrasse avec. Et préviens-moi quand il sera. Ok. Alors, comment on utilise le grappin du coup? Alors, vous avez obtenu un grappin. Tatatitata. Donc, viser et appuyer sur LT. Ok, il faut l'équiper dans des accessoires rapides. Ok. Qu'est-ce que j'utilise? Ben, ça, je l'utilise jamais. Par contre, le grappin, je vais l'utiliser tout le temps. Alors, faut faire attention. Grappin Molotov. Faut faire attention, alors.
Oui. Oh. Alors la corde, c'est pas exactement comme ça que je pensais que ça allait marcher, moi. Ah oui, mais je peux l'accrocher n'importe où en fait. Et je peux pas remonter. D'accord. Ok, alors attendez. Alors. Yep. Là. Oh. Ah, tu t'es un peu loupé là. Ouais, non, mais c'est de l'autre côté là. Je peux pas aller de l'autre côté. Non, mais va de l'autre côté du truc. Truc que j'ai pas pigé. Comment il marche ce grappin? Alors là. Voilà. Bon, c'est vraiment ça. On peut l'accrocher n'importe où, mais pas n'importe comment. Ok. Oui. Handicap international vous présente le grappin. C'est ça. La musique, j'aime bien, elle est assez angoissante, mais je trouve qu'elle colle bien à l'ambiance. Où est-ce qu'on va du coup? Là-bas. Oui, ça y est. Très bien. Je crois que je commence à avoir le coup de main, Franck. Ouais, c'est simple. Mais ça peut te sauver les miches. On va où maintenant? Allez, Vulcan! Toujours pareil, Aiden. Tu montes. Ah oui. De là, tu rejoindras l'aile secondaire. Là, j'ai bien compris qu'il fallait monter. La principale grouille d'infectés. Allez, t'as plusieurs niveaux à grimper. Mais moi, je veux aller sur l'aire principale. Il y a des infectés, ça va être cool. Non? Vraiment? En plus, il y a peut-être même des trophées d'infectés rares et de... Bon, d'accord. On va pas sur l'aile principale. Et les abonnés vont pas être contents, hein. Ah putain, ça fait peur. Ah non. Non, allez, va. Oh non, non. Cours. Oh bordel. Ah, ça fait plaisir de... Tu me diras ce que t'en penses, n'hésite pas à laisser des commentaires, Vulcan. Ouais, avec plaisir. Que j'aurai ton avis. Je lirai ton avis. Bon bah. Il y en aura un en dessous là. Qu'est-ce qu'il y a là? Bonjour. Et là, il y a juste des zombies qui sont sortis, on est d'accord, hein, rien d'autre. Hein. Non, rien d'autre. Bon. Non. Voilà. Je vais rester avec ça, je crois. Ah. Et alors, fais-moi les malins, hein, maintenant. Alors, on va rester avec ça. Ça me paraît être plus... sécure. Oh bon dieu, les zones à grappins. Oh là là, les zones à grappins. Bon, alors. Et si je me barrais? On est Ah, mais on est proche du sommet là. Attendez, déjà? Non. Déjà? Vraiment? Conteneur d'inhibiteur détecté. Ah non, pas encore. Ok. Alors, conteneur d'inhibiteur détecté. Conteneur d'inhibiteur détecté. L'oiseau de la chaîne, c'est quoi? Non, c'est pas un gemme au cœur, c'est un phénix. Même si c'est vrai que celui du logo actuellement ressemble aussi au gemme au cœur d'Hunger Games. Mais bon, Hunger Games, ils l'ont fait un peu en mode phénix, faut dire. Y a des trucs là en bas? Non. Alors, on sort. Là.
Alors. Yep. Ensuite. Ouais, ouais, toujours une mort à ton act- qu'une mort à mon actif, c'est vrai. Mais Aquado a dit une heure, voire deux. Pour l'instant, j'ai pas l'impression qu'on va mettre deux heures, hein, très sincèrement. Il est au-dessus, visiblement, le conteneur. Non, je peux pas aller par là. Alors, attends. Attends, attends, le conteneur, j'arrive. Juste au cas où. Alors le problème c'est que je peux pas faire moi, voilà, mon sens de l'araignée. Il est, ah, il est au-dessus, d'accord. Alors la caisse en bas, je sais pas ce que c'était. Mais je vais garder ça au cas où. Conteneur d'inhibiteur à proximité. Oui, 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 deux secondes, deux secondes. A priori, là ça va. Ouais, le problème de l'arbalète c'est que ça bloque mon sens d'araignée. Puisque quand j'appuie sur le bouton du sens d'araignée, ça zoom. Hop. Alors là, il y a des UV, c'est une safe zone. Ok. Qu'est-ce qu'on va augmenter? Non. L'endurance, en vrai, ça va. Je pense que je vais continuer d'augmenter la défense. La vie. S'il y a de plus en plus de rapaces et potentiellement des nouveaux zombies, je pense que ce sera pas du luxe. Je suis sur la terrasse. Cool. Tu vois mon resto? Ouais. C'est minuscule vu d'ici. Ouvre ton parapente, saute et vole jusqu'au fisheye. On se retrouve là-bas. Attends, quoi? Il est temps de mettre un terme à tout ça, Aiden. T'as un parapente. Sors de là quand tu peux. Ah non, 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 Frank, non, non. Je dois monter. T'as dit que tu m'aiderais. Aiden, des gars mieux entraînés que toi sont morts là-bas. Hors de question que je t'envoie dans la gueule du loup. Frank, je monte. Avec ou sans toi. À moins que tu sois trop bourré pour le comprendre. Lawan m'a dit pour ta sœur. Elle doit être morte à l'heure qu'il est. Mais pas toi. Descends et tu vivras. Je t'emmerde, Franck. Je monte. Aucune idée, Vulcan. Ouais, j'aurais dit 20 peut-être. Mais je sais pas si on peut monter au max l'endurance et le. Je te laisserai pas tomber. Tu parles à un homme mort, Lawan. J'arrive. Non, 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 viens pas, viens pas, viens pas, viens pas, viens pas. Jamais de la vie, Lawan. Viens pas, viens pas. Alors il faut aller là-bas. Ok. Mais il nous a montré la grue, il faut pas la monter, enfin escalader la grue. Yep. Non, mauvais. Oh, mauvaise idée ce que je suis en train de faire. Très mauvaise idée ce que je suis en train de faire. C'est pour ça que je vais le faire. Et c'est une très mauvaise idée. Une très 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 mauvaise idée. Vous ai-je déjà dit que c'était une mauvaise idée? Et je suis pas tombé encore, hein. Je suis pas tombé. Je suis toujours pas tombé. Allez, monte. Allez, monte. J'y suis presque. Allez. 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 Faut mettre un peu de challenge pour les fails. Ah bah non. Aiden, c'est Jack. On a rétabli le courant dans la majorité du bâtiment. Ah bah tant mieux, moi je suis au d'une grue. Sont encore en rade. C'est comment de ton côté? Je suis au sommet de la deuxième tour. Et je me demande bien comment je vais retourner sur le bâtiment principal. Attends. Avant la chute, il y avait des travaux, tu te trouves. Oh, oh, oh. Il devrait y avoir une grue ou un truc, non? Super idée. Merci. Je vais en profiter d'être là pour inspecter un petit peu tout ça. Il va bien y avoir des trucs que j'ai pas identifiés. Ah. Voilà. On va en profiter, hein, quitte à être là en hauteur. Je pense que je pourrais difficilement faire mieux. Il a détecté un truc. Ça doit être le moulin qu'il a détecté.
Il y a des choses, je pense que si on est trop loin, il les détecte pas avec les jumelles. Genre ça là-bas. Le bateau là, c'est pareil. Ah. Ah oui, en haut de la tour derrière moi, c'est sûrement mieux, mais je vais profiter du fait d'être là déjà pour essayer de voir si je trouve des trucs et après on verra. Hein. Théorie, m'a l'air pas mal. Là peut-être, ce côté-là j'ai pas fait. Il y a un pont, on peut pas y aller sur ce pont là-bas. On rappelle le pont du premier. Et non, ok. Bon, alors. Toujours pas de fail en vue. Et il faut aller là en face. Oh, voilà, 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 voilà. Là, on aurait été dans le 1, ils auraient clairement mis un truc en haut de la grue. Une statuette, un truc à ramasser, je sais pas. Bon, j'aurais pu me barrer. Mais on continue. Hop. Alors, là, c'est une safe zone. Allez. Bon, bah, on vire. En tout cas, une chose est sûre, je veux les piles de la lampe d'Aiden, parce que c'est le genre de truc qui ne s'épuise jamais. Là, ensuite, de là, on va où? Ah. Ça va, qu'est-ce que tu racontes? Tu as des zombies, il n'y a personne là si on reste là. Ça va être les mêmes piles que dans Silent Hill 2, c'est clair. C'est clair, c'est clair. Yep. Presque sûr que je peux y aller en courant là-bas, mais on va pas prendre le risque. Voilà, on a un grappin, on va l'utiliser. Ensuite, là-bas. Le grappin! Bon, ça s'obscurcit et je vois des zombies. Est-ce qu'il est temps de ressortir le molotov? Peut-être pas, ça m'a l'air dangereux. Ou alors, on va profiter du fait d'être en hauteur. Allez, Mumignon, par ici, par ici. Là, c'est des virulents, ils réagissent pas. Il est tombé comme un caca, le virulent. Hein. Tentez que c'en était un. Oh là, toutes ces bonbonnes explosifs là-bas. Oh. Descends. Ça va péter. C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est un gros polo? C'est un gros polo. Gros polo! Allez, viens! Allez, polo! Allez! Ah bah non. T'as essayé, hein, pourtant. On dira à ta maman que t'as essayé. Oula, 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 oula. C'est bon? C'est bon. Donc, moi j'avais repéré ça. Qu'est-ce qu'il y a là? Bon. Je ne sais pas, c'est pas bien grave. Ah, oh oui, un kunai, on s'en fout. Ah oui.
Cette séquence, faites en sorte que ce jeu est un rail shooter. Ne me dites pas l'inverse, j'ai 20 ans d'expérience dans les jeux vidéo, tu vas rien m'apprendre. Si, si, si. Exactement, exactement. Tu sais que sur Twitter, il y en a un qui m'a ressorti un truc du genre, parce qu'on parlait d'un gars qui découvrait Final Fantasy XIII et il disait qu'il adorait. C'était une excellente découverte, il était conquis par le jeu, la musique, tout ça. Donc moi, je lui disais que pour moi, il faisait partie des meilleurs jeux de la licence, machin. Et le gars, il a commencé à m'agresser sur Twitter en disant que, de toute façon, lui, il a fait la plupart des Final Fantasy et que donc, si moi, je n'avais pas fait tous les Final Fantasy, mon avis n'avait aucune valeur. Et que je disais que de la merde parce qu'en 2009, quand le jeu est sorti, tout le monde l'a critiqué. Il le sait, il sait de quoi il parle, il sait que tout le monde l'a critiqué. Alors je lui ai dit oui, donc toi tu connais tout le monde, tu connais tous les gens sur Terre, enfin voilà. Et enfin, que des conneries comme ça. Et ouais, donc le mec il m'a fait rire, non mais moi j'ai fait tous les Final Fantasy ou presque, donc je sais de quoi je parle. Ouais, bon, ok, ok. Ouais, les débiles d'orageux, c'est ça, ouais, c'est totalement ça. Oh putain! Non, recule! Heureusement que je suis quand même relativement loin quand ils explosent. Hein, parce que j'avais souvenance qu'ils faisaient beaucoup plus mal que ça quand ils te tapaient. Enfin, quand ils explosaient. Alors, tout ça on prend, ça se revend. Là, on devrait en trouver des trucs. Techniquement, c'est une zone qui n'a jamais été pillée. C'est quoi ça? Le journal, oui. Prends le journal. En mode moi je suis objectif, ouais c'est ça, en mode moi je suis objectif. Non mais surtout que le mec je lui ai dit, je dis, non mais que t'es aimé c'est pas un souci en soi, que t'es pas aimé je veux dire, y a pas de souci. J'ai dit mais respecte le fait que moi j'ai aimé, si moi pour moi c'est l'un des meilleurs jeux de la licence, qui tu es pour me dire le contraire en fait. Et le mec il en démordait pas. Il avait pas compris que je donnais juste mon avis et que j'étais pas en train de faire la critique. Mais bon, c'est les réseaux sociaux, tout le monde est devenu critique de cinéma, critique de jeu, ils ont oublié que c'était un vrai métier ça, tu vois, donc... Les gens ils s'imaginent que quand tu donnes un avis, en fait tu fais une critique de jeu comme si t'étais sur jeuxvideo.com, quoi. Ça en devient ridicule, enfin bon. Bref, alors, on enlève les molotovs, on prend le grappin et on y va. Ouais, doucement! Ouais, non, c'est ça, ils supportent pas qu'on ait le même avis. Et comme on est sur les réseaux sociaux, bah forcément, ils se permettent de faire les kékés, enfin voilà. Mais bon, enfin, je dis ça, mais C'est pareil partout maintenant. Sur YouTube, c'est pareil. Sur Discord, c'est pareil. Sur. Enfin. C'est vraiment n'importe quoi. C'est surtout ridicule en fait. Et d'ailleurs les gens n'aiment pas quand tu leur envoies cette vérité en pleine figure, ils aiment pas. Hein. Ça part en insulte, ça part en. Enfin, ça, c'est impressionnant quoi. Petit trou du cul. Je te préviens, s'il lui arrive quelque chose. Arrête, tu vas choquer internaute. Ouais. Tout ça, c'est ta faute. Faut continuer à monter par là, mais il y a quoi là? Je vais rien demander, je vais la dissuader par radio. Oublie, elle l'a coupé. J'ai dû trop ouvrir ma gueule et... Et voilà. Coup de bol, j'ai averti Man, les pacificateurs la laisseront pas entrer. Écoute, je suis presque en haut de toute façon. Même si elle arrive jusqu'ici, ce sera déjà terminé. Ouais, presque en haut et c'est plutôt vide, hein. Au sommet de l'immeuble. Bah, c'est un peu vide en fait, mon gars, là, excusez-moi, mais... Petit enfoiré. Je croyais pas que t'y arriverais. Mais putain de merde, tu vas le faire. Ouais, bien sûr que je vais le faire. La musique le dit. Je vais le faire. Je vais réussir. Je suis sûr qu'il y avait moyen d'y accéder autrement à cet endroit-là. Ouais, surveille le plafond. Mais moi, c'est ce que je surveille depuis tout à l'heure. Je fais que regarder le plafond et tout ça, mais pour l'instant... Je sais pas. Ou alors on les croisera plus tard, ces zombards. Enfin, allez, on va... S'ils les mentionnent dans le jeu, on est obligé de les croiser. Ce serait une énorme déception qu'on ne les croise pas, quoi. Mais là, comme c'est que des zones UV, ça veut dire et que ce sont des safe zones. Tu cherchais quoi, au juste? Radio, nouvel espoir. Imagine.
Doucement. Doucement. L'espoir. Ouais, ouais. J'étais un peu du genre romantique quand j'étais jeune. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ouais, ça va me tomber dessus au moment où je m'y attendrai pas, ça c'est clair. Hein. Attendez, de ce côté... Oh, oh, doucement. Ouais, non, non, on mettra les coups de jumelles une fois qu'on est en haut. Il me fait peur ce grappin quand il s'arrête. J'aime bien la musique en tout cas. Enfin, si on passe par l'extérieur, ça devrait aller. Attention. Soy ! La passe ! Bordel de nuke ! Oh là. Oh là. Oh là là. Oh, je sens que ça va pas le faire cette histoire. Ça va vraiment pas le faire. Non, ça va. On peut pas faire une sauvegarde rapide là. Allez, yep. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. On y va, on y va, on y va, on y va. Yep. Bah non. Bah non. Hop là. On recommence. En même temps, Ah, j'avais pas vu le premier. Quel idiot, je me suis accroché au deuxième. Ok, d'accord, j'avais pas vu le premier. My bad. Ah non, on monte pas la corde, tu sais. On est dans un jeu vidéo, on peut pas monter les cordes. Faut pas abuser quand même. Allez, c'est parti. Tac 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 tac. En tout cas, la vue est jolie, hein. Le jeu est quand même beau, hein. Ça, je pense qu'on peut le reconnaître. Par contre, attendez, je regarde juste un truc, parce que ça m'intrigue ce pont-là. Vu qu'il est dans les murs, est-ce qu'il est vraiment dans les limites de la zone? Ah, il est là! Le pont que je vois, il est là, d'accord. Donc là, en fait, il y a vraiment une zone hors map, comme ici, où on peut accéder. Alors là, ça doit être le mur. Mais toute cette zone-là, on doit pouvoir y accéder. Parce que ça, je suis sûr de ne pas l'avoir noté. Là-bas, il y a une antenne radio. Tac, 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 tac. Ouais, d'accord. Donc en fait, ce lac, il y a moyen d'y accéder. Bon, d'accord. Eh bien, on essaiera de voir ça une autre fois. Pour l'instant, on avance. Allez, on fait attention. Cours, 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 cours. Voilà. Alors. C'est passé la première fois. Ça devrait repasser la deuxième fois. Là. Là, on fait attention. Voilà. Et là, il y a le premier grappin que je n'avais pas vu. Juste là. Le mec, il arrive à faire un bond. C'est un truc assez bizarre. Bon, on y est là. Ah, on y est là. Bah voilà, easy. Et alors, qu'est-ce que c'est qui a tué tes gars Qu'est-ce que c'est qui a tué tes gars, monsieur Bignou, là? Il y a rien, c'est tranquille ici. Oh là là. Ouah. Oh, 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 ah. Monte, 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 voilà. En fait, tes gars, ils avaient pas un grappin, c'est tout. Parce que s'ils se sont fait tuer par les gros explosifs, bon, il suffit d'avoir un arc, hein. Non, le grappin, non. Ça va. Bon, ça aura pas été le fail au molotov. Ça va être le fail au grappin, hein, vous allez voir. Ouais, ouais, j'arrive, 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 j'arrive. Utilise mes pouvoirs d'araignée, j'arrive. Attends. Je comprends pas. Il veut que je me fasse glisser jusqu'où, là? Je comprends pas.
Faut vraiment que je m'accroche au truc là. Ouais, c'est ça. Wow, la passe. Pam pam padadam. Mais j'avais un plan. Un plan d'enfer. Oui oui oui. On pourrait vraiment activer cet émetteur. Ouais. Mais je vais le faire. Comment? L'armée contrôlait cette tour. J'ai un émetteur capable de. Ouais, très sympa la séquence, c'est vrai. Et de, je suis d'accord. Prendre la main. Tout ce qu'on aurait à faire, c'est activer l'antenne du secteur. Et je monte sur l'antenne, c'est ça? Non. Ah, comme ça. Ah, j'avais pas vu l'échelle. Mais monte, qu'est-ce que tu fais? Alors, il faut que j'aille de ce côté-là, mais moi, je voudrais bien aller de ce côté-là d'abord, à dire vrai. Hop! Oh! Une échelle très peu pour toi. Ben, la seule que j'avais escaladée, je l'avais escaladée sans échelle, hein. Hop, voilà. Ensuite. Tac, 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 tac. Voilà. Alors, moi, je voudrais aller là-bas, en vrai, avant d'activer... Là, je peux difficilement faire plus haut. Hein. Mais je crois que je suis trop haut. Je crois que je suis clairement trop haut. Et que je ne vais rien trouver. Bon, c'est pas grave. Oui, là, il faut monter là, d'accord. Mais en vrai, moi, j'aimerais bien aller là-bas. Ouais, on va d'abord aller là-bas. Vu que la tour est plutôt safe. Petite zone sécurité, ouais. Sécurisée, pardon. Hop, voilà. Et en plus, si je veux revenir là-haut, je suis sûr qu'il n'y y aura pas de point de TP. Hein. Il est où le conteneur? Il est là-dedans. Alors j'ai bien aimé, honnêtement j'ai bien aimé la tour. Je regrette qu'il n'y ait pas eu plus de phases en intérieur avec plus de zombies, mais globalement c'était quand même un passage sympa. J'avais peut-être un peu trop d'attente, mais c'était quand même sympa. C'est quoi ça? Oui, j'ai pas assez de trucs de soins, c'est vrai. Une hache fiable. Voyons ça. Est-ce qu'elle est mieux que ma lame? 208. Ah ouf, les caca. Les caca ici. La cassette. Et. Alors. Et il est où le conteneur débiteur? Il est pas là en fait. Il est à 12 mètres de moi, donc il est pas du tout là. Ben, c'est la tour de l'enfer pour les PNJ. Hein. Bon, on est bien d'accord que... Il est pas là le conteneur. Il y a un autre... Oui, 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 ça j'ai bien compris, mais où ça à proximité? Il est là-haut le conteneur d'inhibiteur. Non, il a pas l'air. Non, non, il est pas là-haut. Bah, il est où? Neuf
9 mètres, 10 mètres. Il est en dessous. Oula. Ah, là. Regardez, là, on peut atteindre la zone. Bon, maintenant, de toute façon, si je meurs, j'ai débloqué le point de sauvegarde. Donc, on va y aller. On va y aller. On va redescendre. On prend des risques, les gens. On prend des risques. Hey, hey. Là. Et par contre, ça, là, j'en suis persuadé. Hein. Je suis sûr que de cette tour, on va pouvoir avoir accès à des zones comme cet endroit-là qui sont inaccessibles autrement. Et il y aura peut-être des armes ou des trucs. Ça, il faudra regarder, mais je suis sûr qu'il y aura des trucs. Oh là là. Sorry. T'as pas peur, Eden, hein? Tu n'as pas peur, je te le dis, moi. Bon. J'ai trouvé l'émetteur. Et maintenant? Bien. Bien. T'as juste à utiliser l'interrupteur. Ça a marché. Super. Écoute. Je me disais, Radio Nouvel Espoir, c'est encore possible. Mais c'est à toi de voir. Quand j'aurai allumé l'émetteur, Matt leur dira pour le toubib du GRE. Il faut que je sache où est ma sœur. Et ce que Waltz nous a fait. Parfois, il arrive que nos choix nous dépassent. Parfois, ce qu'on fait, ça veut dire quelque chose. Je vais pas essayer de te convaincre. T'as allumé l'émetteur. C'est toi qui choisis. Non, moi je n'aime pas du tout Jack Matt, clairement. Mais je vais rester fidèle au pacificateur jusqu'au bout, parce que je suis désolé, les survivants, non. Même si ça radio, liberté, je sais pas quoi, là, c'est pas mal, non. Désolé, Franck. Je dois la retrouver. Ta vision de l'avenir me plaît bien. Mais il me faut les fichiers de Waltz. Je vois, Aiden. T'as fait ton choix. Terminé. Aiden. C'est fait, Matt. L'antenne fonctionne. Bien. J'avais que je pouvais compter sur toi. C'est du bon boulot, fiston. Rove et les gars, ils sont pas morts pour rien. Oui, c'est vrai que si je l'avais donné en plus à Frank, Rove, il serait mort pour rien. Et le Major ne peut pas mourir pour rien. La mission des pacificateurs est de servir la ville et d'exterminer les infectés. Vous en avez assez de l'anarchie? Vous croyez en l'ordre? Il est temps pour vous d'agir. Rejoignez les pacificateurs. La clé pour ramener l'ordre dans la ville, c'est peut-être vous. Engagez-vous dès aujourd'hui. T'as réussi. Hey, c'est bon de te voir aussi. Ne recommence plus jamais ça. Hey, ça sort d'où, ça? Tu m'en dois une. J'ai failli perdre une semelle à essayer de te rejoindre. Désolé. Lawan, j'arrive pas à y croire. Tu te fais vraiment du souci. Oh, merde. Je viens de te le dire. Tu m'en dois une. Ah, désolé, je suis déjà pris. J'ai hein. Niqué mes godasses. Je sens carrément les cailloux sous mes pieds. Il m'en faut une nouvelle paire. Ok. Tu veux aller trouver des nouvelles baskets, maintenant. C'est quoi? C'est une blague? Est-ce que j'ai l'air de faire des blagues? Lawan, qu'est-ce que... Oh, merde. Non, mais attends, descends pas! Lawan, s'inquiéter pour quelqu'un, c'est pas un signe de faiblesse. Tu peux au moins me dire où tu vas? J'imagine qu'il n'y a pas des masses de magasins de chaussures dans le coin. Je connais un endroit.
Il y reste encore peut-être quelques-unes de mes affaires. Je croyais que tu gardais tout au fisheye. Mais c'est pas là qu'on va, hein. S'il te plaît, ferme-la et suis-moi. Non, mais j'ai pas envie de te suivre, en fait. Nouvelle quête chaussure, vraiment. Et là, du coup, cette tour-là, elle est activée, elle n'est pas activée. Alors, comment ça se passe? Parce que c'est bien beau de m'éjecter. Et, n'empêche, heureusement que j'ai été fouillé avant d'activer le truc. Sinon, tout ça, je ne l'aurais pas débloqué. Par contre, il va falloir que je réfléchisse, enfin, que je vois comment on peut monter. Alors, parachutage militaire, inhibiteur. D'accord. Ah, donc là, il m'affiche les inhibiteurs. Ok. D'accord, ouais, les inhibiteurs cachés, ok, ils sont affichés. Et il faudra que j'aille donc activer toutes les tours radio dans toutes les zones. Là, il y en a une, ici. Mais alors, est-ce que... Oula, oh là là, oh les quêtes là-bas. Mais alors, est-ce que c'est une pour cette zone et là, il y en a une autre? Je ne sais pas. On verra, on verra. Bon, écoutez, on va s'arrêter là pour ce soir. Je pense que de mon côté, j'irai prendre les quêtes annexes qui sont là. Si potentiellement elles sont intéressantes, on les fera en stream, sinon voilà. Et puis, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. Et on se retrouve la semaine prochaine pour la suite. Passez une bonne soirée. Salut, salut.